Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une ouverture de 9 boosters différents avec du Mooka Mooka, du My Melody, Emma, Zoton ou Zoton, je sais pas, Zoton ça fait bizarre de dire ça, je veux dire Zoton, Baby Ghost Bear et du Tokidoki. Alors, on va commencer par quoi? Je pense parler Tokidoki. Pour commencer, une collaboration avec La Durée, vous savez, la pâtisserie. Vous avez pas mal de personnages et bien entendu, les thèmes, ce sont les gâteaux. Vous avez des macarons. La boîte est très belle en tout cas. Ça donne faim. Alors en fin de vidéo, je vous montrerai celle que j'ai déjà par rapport à Emma. Cette collection, j'en ai une. Et il me semble pour Mooka Mooka, je ne sais plus si c'est la même collection. Mais je vous montrerai. Trop jolie, mais j'ai bien peur que ça soit celle que j'ai déjà. Je suis pas sûr, je vous montrerai en fin de vidéo. Voilà. Alors je sais pas si ça correspond à quelle pâtisserie par contre. Alors, le fond de la boîte est magnifique. Hein. Vous pouvez l'exposer comme ça d'ailleurs. Plutôt cool. Alors vous avez pas de carte, mais vous avez un petit papier comme ça. Avec la collection. Ah, il me semble que c'est celle que j'ai déjà. Aïe, aïe, aïe. On verra en fin de vidéo. On va continuer dans la lancée de Tokidoki. Et là, j'ai pensé à vous. Une collection spéciale Noël. Avec les licornes. Et j'ai craqué quand j'ai vu celle-ci. Ah bah, c'est les Chasers. Oh là là, je les aurai jamais. Bon, faut jamais dire jamais. C'est parti. En tout cas, la boîte est magnifique. Je suis trop fan. Bon, après, elles sont toutes belles. Hein, les figurines. Il y a peut-être celle-là que j'aime le moins. C'est le casse-noisette, là. Je crois que c'est ça, hein, casse-noisette. Bon, il est rigolo. Il est pas... Ah, il est bien fait, hein. Là, on a vraiment l'esprit de Noël, du coup, avec sa moustache. Les yeux verts. Voilà, il est rigolo. Non, il est très sympa. Bon, c'est pas du tout mon préféré, je tiens à vous le dire quand même. Et ici, vous avez la liste. Du coup, on va prendre le Baby Ghost Bear. Collection Sweet Dream Hotel. Et celles-ci, elles sont trop belles. Elles sont pratiquement toutes transparentes. J'aime beaucoup le thème bonbon gummy bear. C'est plutôt mignon. Hein. Donc là, vous avez la marque Shinwoo. Voilà. Ah, et qui j'aimerais, moi? Bah, le principal. Et je les aime toutes. Ouais, celle-ci, je les adore. Celle-ci, elle est un peu bizarre. C'est assez spécial, des fois. Ça s'ouvre assez facilement. On a un sachet trop, trop beau, avec une serrure. Je sens que je vais l'adorer. Elle est pas transparente. Mais elle est trop belle. Oh, alors, ça correspond à un téléphone. Oui, il y a le câble normalement qui devrait aller là. Ok, hop, on remet. Mais c'est original. Il a le clavier sur le ventre, le combiné. Et il a coupé la prise. Il a arraché la prise, donc ça ne fonctionne plus. Le dessous, c'est super détaillé, c'est numéroté en plus, c'est assez étonnant. Voilà, elle est magnifique, l'effet est trop beau. J'aurais préféré une transparente, hein, je tiens à vous dire, mais bon. C'est pas terminé, il y a d'autres choses à l'intérieur. Il y a le jeton, donc ça c'est par rapport au poids, je pense, de la boîte. Pour que ça soit toujours le même poids par rapport aux figurines, pour pas tricher, je pense, quand vous les choisissez en magasin. J'ai une carte avec un QR code et j'ai la carte de la figurine avec un QR code et un truc à gratter. Ok, oh, magnifique en tout cas. Ben, on va continuer avec Zoton Mall. Alors ça c'est le thème magasin, centre commercial, regardez. Shopping. Secret, il y en a deux j'ai l'impression, je sais pas si c'est un duo ça par exemple. Et elles sont trop belles, j'aimerais trop ben, ça. Ça, même celle-ci, je les aime toutes. Est-ce qu'il y en a une que j'aime pas?
Peut-être le sport, là, j'aime moins. Ouais, c'est la seule que je n'aime pas, je pense. Alors, un sachet rose. Et qu'est-ce qu'on a ? Ah, regardez, là, le jeton est très gros, donc ça sera une toute petite figurine. C'est fort possible que ça soit ça ou ça. Oh ! Ah, le sachet, je suis très très fan. C'est mon sachet préféré de tous les boosters confondus. C'est trop mignon. Waouh ! Ah là là, il est trop beau. J'ai pas envie de le jeter, celui-là. Ça pourrait même vous servir pour emballer un cadeau. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Ouf, c'est celle que je voulais le plus, les animaux. Donc les cochons. Alors je pense que là, c'est le thème coiffure. Par contre, je vois quelque chose qui ne me plaît pas. Est-ce que c'est cassé ? Oh là là, l'ours est trop beau. Alors je sais pas si c'est cassé. Attendez. Ça se remet, youpi, cool, c'est pas cassé. Donc vous avez un ours polaire avec une paire de ciseaux, c'est le coiffeur. Vous avez l'assistant cochon avec le sèche-cheveux, un bigoudi, avec un tabouret. C'est magnifique, je suis fan. Voilà, j'adore. Pourquoi j'ai des... Alors, il y a les sachets qui en détachent, donc je ne sais pas chez lequel. Il ne faut pas que je tâche l'ours blanc. Alors, je vais voir s'il y a d'autres choses. Vous avez encore une carte QR code de la marque. Et vous avez aussi la carte de la figurine, enfin des deux figurines. Alors, c'est Tony Polar Bear, assistante Piggy. J'avais bien dit l'assistant. Cool. Voilà. C'est trop mignon, en tout cas. On va faire la Mouka Mouka. Mouka Mouka, je vous ai déjà fait une ouverture de deux boosters, il me semble. Et j'étais tellement fan, je m'en suis racheté une. C'est une collection différente par rapport à la dernière fois. En fin de vidéo, je vous montre toute ma collection de figurines comme ça. Normalement, je le fais sur TikTok, mais là, je vais vous le montrer. J'ai pas dit qui j'aimerais. Bah, déjà, celui-là. 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 Ouais. Oui. Bah, toutes. Je suis pas difficile hein, pour Mouka Mouka. Même dans la série d'avant. Ah, la carte, faut pas être spoilé. Je ne vais pas regarder la carte. Ouh, ça a l'air très volumineux, en tout cas. Alors, j'essaie de voir un peu la couleur, je vois du violet. C'est fort possible que ça soit celle-ci. Il y a pas mal de billes. Il y a un bonnet rose. C'est la principale, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est ? Il y a plein de choses. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ah non, il y a un lit ? Il y a un lit ? Ah non, un canapé, un sofa ? Non, c'est un lit. C'est pas possible qu'il y ait autant de choses. Waouh. Alors, rien que là, je suis trop fan. Vous avez le lit avec l'oreiller. Oh, mais c'est magnifique. Magnifique. Mais c'est lequel ? Est-ce que c'est... Ah oui, c'est celui-là. Le principal, en fait. Enfin, le principal, celui qui est sur le devant. Il est là, sinon. Et je l'adore. Ah, oh, j'aime bien le bruit. Ça détend énormément. Je pourrais faire une vidéo ASMR juste avec ça. Il est trop beau. Il fait un clin d'œil. Enfin, je pense qu'il est à moitié endormi. Il a un bonnet de nuit. Il a une peluche ou un bébé. Je sais pas en fait si c'est sa peluche. Et on peut le mettre comme cela dans le lit. Alors le coussin, je pense qu'il faut le mettre comme ça pour le caler. Et voilà, il a une paire de chaussettes. Il est trop beau. Je suis trop fan. Et la tête du lit est trop belle. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je pense pour l'instant, c'est ma figurine préférée. Et j'adore aussi celle-ci. On va continuer avec My Melody. Et on terminera par Emma. J'en ai déjà deux. Et là, il y avait des figurines pas trop chères. Et j'en ai pris trois. Elles étaient en solde, il me semble. Alors, My Melody, je vous avais déjà fait Sanrio. Je crois que c'est la même marque, si je dis pas de bêtises. Sauf que là, c'était une spéciale My Melody. La dernière fois, il y avait un peu de tout. Il y avait surtout Hello Kitty, My Melody, que j'ai eu justement. Il y avait peut-être une Kulomi. Alors du coup, alors celle que j'aimerais le plus, la première, parce qu'elle a une peluche d'elle-même. Ou non, c'est d'Hello Kitty, je crois. Sinon, les autres, je les aime toutes. Je les aime toutes, oui. Il n'y en a pas beaucoup hein, dans la collection. Ah, il y en a là aussi. Il y a une secrète.
Ah oui, c'est la même marque. Vous avez aussi un jeton. Ah mais c'est Miniso. Ah, trop fort. Oh bah, je savais pas. Bon, bah, on est allé en plus et j'ai ouvert des boosters. Je savais pas qu'ils avaient du Sanrio, mais en France, j'en ai pas vu. Oh bah, c'est cool. Je savais pas. Hein. J'avais pas vu. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça. J'ai laquelle? Oh bah, elle est trop belle. Elles sont trop trop belles. Je la préfère même à celle que j'avais eue la dernière fois de My Melody. La robe est très jolie, très détaillée. La finition est un peu bof par contre. Un peu, ouais. Ah, en devant, ça va. Elle est trop jolie. Et la carte. Je suis trop fan du design quand, en fait, c'est pas une forme rectangulaire. Quand c'est un peu plus travaillé, la forme, j'adore. Voilà. Ah bah, je regrette pas mon achat. Elle est trop belle. Bon, bah, on va passer à Emma maintenant. Je vous remonte rapidement. Il n'y en a pas tant que ça. Je pense que j'aurai une double. Alors, j'en ai déjà deux. J'avais eu celle-ci. Non, j'en avais une seule. Qu'est-ce que je dis comme bêtise aujourd'hui? J'ai eu que celle-ci. Bah, du coup, j'aimerais toutes les autres. N'importe. Je ne suis pas difficile parce que je les aime vraiment beaucoup, ces figures. Je crois que j'avais payé du genre 5-6 euros au lieu de je sais plus combien chacune. Elle est énorme. Énorme. J'ai bien peur que je... Celle-là, c'est... Oh, c'est celle que j'ai. Oh punaise, c'est celle que j'ai. Ah, je suis dégoûté par contre. Ah ouais. Bon, heureusement que j'ai pas payé trop cher. Bon, bah, je vous la remontre hein, parce que si vous avez pas vu mon autre vidéo... J'espère ne pas avoir de triple par contre, ça va m'énerver. Bon, on va dire que non. On va continuer. Je sors la carte. Voilà, je vous remonte la carte qui est très belle. Ça fait vraiment Sakura Card Captor. Ah, je suis déçu là. Allez, on va dire que je vais avoir plus de chance. Je crois que c'est bon. Waouh, alors là. Oh! Vous avez vu la finition par rapport aux autres figurines? Celle-ci, c'est un level au-dessus, je trouve. Elles sont magnifiques. Alors, je sais pas c'est quoi comme animal. On a des bois, là. Un renne? Un daim? Je sais pas. Mais elle est trop belle. On va regarder la carte. Ah, peut-être... C'est peut-être marqué. Elle est où? Elle est là. Ah, il y a le choix entre... Ah, c'est Ice Cream qu'elle s'appelle, celle-ci. C'est une des deux. Je vous montre la carte, qui est trop belle. Ah, c'est vrai, il y a le nom plus sur la carte, je suis bête. Waouh. Ah, mais je préfère quand même celle-là, là-bas. Celle que j'avais déjà. On arrive à la dernière. J'espère vraiment ne pas avoir de double, de triple. La boîte, elle a pris un coup. Hein. J'espère qu'elle n'est pas cassée. C'est pas vrai. Oh non. Ah, je suis dégoûté. Ça me fait deux doubles. Désolé, je suis un petit peu vénère. Ah oui, je suis vachement vénère là. Non. Voilà, je vous montre les figurines. J'ai bien rangé. Pour aujourd'hui, je dirais pas que c'est un jour de chance. Sauf pour celle-ci, celle-ci. Et voilà, après les autres, non, parce que double, double, voilà. Donc je suis un petit peu déçu. Et ma figurine préférée, si je devais choisir, je vais pas compter celle-ci parce que ça a été déjà ma préférée dans une vidéo précédente. J'hésite entre celle-ci et celle-ci. Voilà, vous mettez en commentaire aussi votre figurine préférée. Et je vais aller dans ma chambre pour vous montrer celle que j'ai déjà dans cette collection et aussi bah, les autres. Je vous montre rapidement ma collection. Regardez la petite double. Les Mouka Mouka ici. Voilà. Après les autres. Rapidement. Bon, il y a du Pop Mart. Il y a un peu de tout ici. Et je vous montre bien entendu la Tokidoki que j'avais.
Ah, j'avais des... Ah, oh, punaise. Ah, oh, punaise. Non. Bon, c'est pas grave, je vais faire un cadeau pour Noël. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur Instagram, je mettrai les photos de ma collection. Et je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos d'ouverture de booster. À bientôt. Ooh.